Show. C'est Azrun, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. On se retrouve pour la vidéo présentation du jeu Battlefield 1 après la bêta. Alors là, il y a le mode campagne. Ça, vous avez plusieurs personnages, vous pouvez choisir dans quel cas vous faites. Il y a opération, partie rapide pour choisir où vous allez, navigateur de serveur et partie personnalisée. Nous, on va partir en partie rapide. Alors, dans les modes, il y a conquête, domination, match à mort en équipe, pigeon de guerre que j'ai vraiment bien aimé et c'est le seul que j'ai joué, et ruée. Après, il y a les différentes armes, comme vous voyez, il y en a beaucoup plus, les armes principales, les armes secondaires, les équipements, les grenades et les corps à corps, comme vous voyez, il y en a beaucoup plus. Et je voulais juste vous dire que la cinématique que vous avez vue au début, eh ben, c'est la première, quand vous commencez la campagne, c'est la première cinématique que vous voyez de la première mission. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Alors là, je vais vous montrer un gameplay que j'ai fait, il va durer plus ou moins 5 minutes, hein, si au cas où. Et vous allez voir, il est vraiment pas folichon, mais j'ai beaucoup joué l'objectif, vous allez voir. Alors, je vous ferai plus précis le mode, car je compte vous faire une série. C'est, je vous montre un mode et je vous montre un personnage, genre médecin, assaut, ou etc. Tout simplement. Et là, comme vous voyez, j'ai pris le pigeon. Et le pigeon, en fait, c'est pour... En fait, il doit amener une lettre aux alliés pour leur dire de bombarder la zone, mais on verra après. Mais de toute façon, je ferai une vidéo pour bien expliquer le mode. Ce sera la petite série du jeu. Donc, on va dire que ça va durer 4-5 épisodes. Je crois qu'il y a 5 modes et 4 personnages. Et on verra comment on fait tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse, hein. Après, là, quand vous arrêtez de bouger, vous écrivez plus vite parce qu'en fait, vous êtes en train d'écrire la lettre, entre guillemets, là. Comme vous voyez, il y a le petit crayon. Et quand vous êtes arrêté, vous écrivez plus vite pour écrire sur le pigeon. Et après, très important, vous devez aller dehors pour le libérer. Et après, voilà. Alors, ce gameplay, j'ai fait au fusil à pompe, car j'ai remarqué que sur YouTube, il y a... Enfin, des YouTubeurs que je regarde, il y a vraiment peu de personnes qui jouent, qui ont montré un gameplay au fusil à pompe. Comme vous voyez là, j'ai demandé une frappe, enfin le pigeon a été dire de bombarder la zone. Ceux qui ont fait la campagne verront de quoi je parle. Et bon, moi je l'ai pas fini, hein. Et ils ont été bombardés. Comme vous voyez, ça me donne les kills à moi. Bon, j'en ai fait que un, hein, parce que le bombardement ne tue pas en un coup, à part s'il va vraiment pile sur vous, mais souvent c'est un tout petit peu à côté. Et merci à grosse dédicace à Steven qui est avec moi dans la partie. Là c'est lui qui avait le pigeon justement. Et puis franchement, quand vous commencez le mode, ça fait assez rire. Par exemple, ils disent vous avez perdu le pigeon, vous avez... c'est assez rigolo. On n'a pas l'habitude sur Battlefield ou sur les autres jeux. Alors là, je me suis senti un peu con. C'est que en fait les gaz descendent très vite la vie. Et j'ai pas pensé à mettre mon masque. Alors comme je vous ai dit, cette game sera vraiment, mais quand je vous dis vraiment pas folichon, c'est je fais pas beaucoup de morts, mais je fais vraiment pas beaucoup de kills aussi. Mais je trouvais que pour l'objectif, pour le fusil à pompe, pour la map, c'était pas mal. Parce que la map du sable, je pense que vous en avez pris pas mal. Après ça c'est la map Saint-Quentin. Je pense qu'il y en a de ceux qui la connaissent, vu qu'il y avait certains youtubeurs qui avaient pu aller en avance. Après là, je me suis senti un peu con, je me suis balancé la grenade dessus, mais on ne parlera pas de ça. Comme vous voyez, j'ai mis mon masque à gaz pour pouvoir passer dans les gaz, tout simplement. Et Steven aime bien jouer éclaireur, hein. Lui, il joue toujours éclaireur. Moi, j'aime bien jouer médecin. Mais vu que les fusils à pompe, il n'y a que sur les assauts, ben, je prends temps assaut.
car j'aime bien jouer au fusil à pompe sur Battlefield. Maintenant on peut escalader les murets, hein. Bon, c'est pareil à la bêta. Et ce qu'il y a de nouveau depuis la bêta, parce que c'est un peu le titre, c'est il y a plus de maps déjà, parce que à la bêta il y en avait que une, hein. Il y a beaucoup plus de modes de jeu, parce qu'à la bêta il y en avait que deux, enfin maintenant il y en a cinq, donc on va pas dire que il y a énorme. J'espère qu'ils vont en rajouter, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément. Là c'est la baïonnette, c'est vous foncez sur les gens pour pouvoir les trancher, mais là c'était tout simplement pour aller chercher le lance-flamme. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal le lance-flamme. Après j'ai vu qu'il y avait trois mastodontes. Il y en a un, c'est une espèce de grosse minigun qui a vraiment pas une très bonne visée. Il y a justement le lance-flamme qu'on va découvrir. Au début il jette un peu d'eau ou d'essence, je sais pas, je pense plutôt de l'essence. Et il y a aussi une espèce de mitraille qui tire rapide. Et là par exemple lui il avait le pigeon. Je suis arrivé et puis on va dire que j'ai fait plutôt le ménage, hein. je les ai éradiqués. Et lui, au début je savais pas que c'était un ennemi, après j'ai vite remarqué que c'était un ennemi. Si au cas où le pigeon peut être tué, hein, donc il faut faire attention pendant qu'il s'envole. Et sur ce mode, quand quelqu'un a le pigeon, c'est bien que tous les alliés aillent le protéger. Par exemple, on avait fait une autre partie, mais je trouvais qu'elle était mieux celle-là avec Steven. Bah, par exemple, lui il partait en éclaireur pour pouvoir me protéger, ou moi l'inverse. Et par exemple, s'il disait, ouais, il y a trop de monde, je passais à un autre endroit, et puis c'est un allié qui me posait. Après, là, comme vous voyez, c'est en trois pigeons qu'on marque, donc on a marqué là le troisième, et en face, ils en ont zéro. Là, par exemple, ils peuvent plus du tout tuer le pigeon, donc on a automatiquement gagné. Après, là, je bourrine un peu avec la flamme, hein, et là, ils vont bombarder la zone, et ça va être fini. Souvent, le dernier bombardement est un peu plus violent que les autres, et là, on gagne. Après on se voit en troisième personne, voilà, victoire et ça. Par contre, ce jeu, je le trouve assez bien. Il est pas mal, mais franchement, je trouve que la prise en main... Enfin, je trouve que c'est trop facile de contourner. Et genre, il y a un ennemi devant toi, un ennemi derrière. Et souvent, même s'ils sont en face de toi, t'arriveras qu'à en tuer un. Puis après, tu te feras buter par les autres. En tout cas, c'est l'impression que j'ai maintenant. Je viens de commencer le jeu, je sais. Après là c'est le tableau des scores, il y a des petites médailles. Steven score éclaireur, c'est à dire que c'était le meilleur éclaireur. Bon, je pense que c'était un des seuls aussi. Et moi porteur envoyé, j'en ai envoyé deux. Après il y a les squads, ça dit le nombre qu'on a fait en escouade pour dire équipe. Après comme vous avez vu, j'étais level 10 pour vraiment pouvoir vous montrer ce que j'ai pensé. J'ai vite augmenté pour vraiment me faire un avis sur le jeu. Il y a le score en arrière-plan, mais sur ce c'était Azura. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et ça de la chaîne avancée, sur ce ciao. Adieu Steven.